Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'arrive vraiment après la bataille, mais je voulais quand même vous faire une vidéo un petit peu bilan de cette année 2021 et surtout vous parler de mes meilleures lectures de l'année, puisque j'ai fait pas mal de très belles lectures en 2021 et je voulais un petit peu revenir sur tout ça. Donc voilà, je vous fais cette vidéo très complète grâce à un tag, donc c'est le tag bilan un petit peu, qui vient de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, et qui a été un petit peu remixé, mais du coup j'ai pris ces questions, et puis je vais vous les faire une par une, et je pense que ça sera parfait pour une rétrospective de l'année, et pour partager avec vous ces splendides lectures que j'ai pu faire, et aussi quelques échecs, hein, quelques déceptions, quelques livres qui me paraissaient super et qui finalement n'ont pas été terribles, terribles. Donc voilà, hein, ça va faire bilan et puis top flop de mon année 2021. On commence? Alors, la première question de ce tag, eh bien, c'est combien de livres j'ai lus en 2021? Eh bien, en 2021, j'ai lu 102 livres, qui est exactement le même chiffre qu'en 2020. Donc voilà, c'est un hasard complet. Alors par contre, il faut savoir que dans les 102, évidemment, je compte mes graphiques et aussi je compte mes abandons. Donc les livres que j'ai commencés et pas terminés et qui ont été officiellement stoppés. Donc j'ai pas compté ceux que je compte reprendre un jour, je les compterai quand je les terminerai. Mais voilà, donc vous avez tout ce qui n'a pas été terminé et mes livres terminés, sachant qu'il y en a quand même 5-6 que j'ai décidé d'abandonner. Donc voilà, ça gonfle un petit peu le chiffre. Mais donc voilà, 102, je suis assez contente du résultat. Je fais pas spécialement de challenge Goodreads, mais voilà, c'est pas mal. Alors, quel genre littéraire... Donc je regarde en même temps mon bullet, hein. Quel genre littéraire as-tu le plus lu? Eh bien, le premier, c'est tout ce qui est contemporain et historique. Alors, je mets les deux ensemble pour 42%. Donc, j'en ai lu 19, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite vient la science-fiction. Et oui, j'adore la science-fiction. Pour 31% avec 14 lus. Et ensuite, on descend. Hein, une fois qu'on a passé ces donc, catégories contemporain, historique et sci-fi, on est vraiment beaucoup plus bas avec beaucoup moins de livres. C'est un peu plus parsemé, mais en gros... J'ai 11% de thriller horreur, alors je pense qu'ici c'est notamment influencé par mes lectures de Stephen King, et un peu fantasy avec 9%, puisque j'en ai eu 4. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, mais de toute façon j'aime bien, j'ai des lectures très éclectiques, donc en général je ne suis pas monogenre, donc n'hésitez pas à me partager ce que vous lisez le plus en commentaire, mais je pense que si vous suivez ma chaîne, c'est que vous aimez un petit peu de tout. La question, je pense, qui va le plus vous intéresser, les meilleures lectures 2021. Alors, il y en a quand même pas mal, mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous faire un gros résumé à chaque fois, je vais juste vous dire quelques mots-clés de pourquoi je les ai aimés. Mais voilà, ce sont vraiment mes meilleures lectures. Je vais faire mon top. Alors, si je ne me trompe pas dans mon top, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 lectures dans mon top, et après j'ai des mentions honorables, donc des livres que j'ai vraiment aimés et dont j'ai envie... de mettre en avant un petit peu sur la chaîne, mais pour lesquels voilà, je passerai très rapidement. Alors dans mon top, on commence par Vita Nostra de Sergueï et Marina Diachenko. C'est publié chez La Talente, je vous mets la petite photo ici. Vita Nostra, c'est vraiment un livre what the fuck. Voilà, il n'y a pas d'autres descriptions. C'est un livre où on ne sait pas trop ce qui se passe, d'ailleurs on ne sait jamais dans le livre, mais on est emporté par le personnage principal, on est emporté par ce qui lui arrive. Elle va se retrouver dans une école hyper bizarre où elle sait absolument pas ce qu'elle apprend. C'est très très chouette, et si vous n'avez pas peur d'être emmené dans un univers que vous ne comprenez pas, je vous conseille vraiment d'essayer, parce que la plume est très belle et voilà, c'est perturbant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas deux lectures comme ça. Ensuite, La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. J'avais adoré Le cirque des rêves. C'est vraiment un de mes livres préférés pour son ambiance. Et je pense que La mer sans étoiles, eh bien, c'est la même conclusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de personnages qui ressortent. En fait, la mer sans étoiles, c'est le personnage. Voilà. Et en fait, La mer sans étoiles, c'est vraiment un lieu, une espèce de bibliothèque géante par lequel on peut entrer que par certains endroits, où il y a des portes qui apparaissent. Qui permettent d'y aller.
des complots, des personnes qui ne veulent plus ses portes, des personnes qui veulent plus de portes. On suit différents personnages et ici, voilà, c'est le lieu en fait, c'est cette atmosphère qui est le personnage principal. Donc, avec un côté, une écriture très onirique, très très belle, très féerique. Donc voilà, c'est un peu qui tout double. Ça passe ou ça casse comme Vita Nostra. Si vous avez aimé le Cirque des Rêves, je peux vraiment vous recommander La Mer sans étoiles. C'est du fantastique et c'était très très chouette. Enfin, on passe dans un univers complètement différent avec Pachinko de Min Jin Lee, que j'ai juste adoré, mais vraiment adoré. C'est publié chez Charleston. Bref, je vous mets la petite photo ici. Et Pachinko, c'est vraiment c'est une saga familiale en fait. C'est une saga familiale où on va suivre un personnage qui va passer de la Corée au Japon. On va comprendre cette séparation du Japon, on va comprendre ce que c'est d'être immigré au Japon, à quel point c'est difficile, surtout pour les Coréens qui sont vraiment très peu considérés, qui ont une vie très difficile. Et on va suivre un peu, c'est une saga familiale, on va suivre plusieurs générations de ces gens. On commence par donc le personnage principal qui sera ensuite la grand-mère et on va suivre un peu ces générations et vraiment c'est une superbe lecture que je vous invite vraiment à découvrir et personnellement je connaissais pas très bien ce débat, ces discussions autour de l'immigration des Coréens au Japon après la guerre de Corée et vraiment c'est quelque chose qui mérite d'être connu et d'être soulevé. Donc n'hésitez pas à tester Pachinko. Ensuite, une lecture que vraiment je n'aurais pas du tout pensé mettre dans mon top parce que j'avais cette idée un petit peu préconçue que c'était un feel good, ok, c'était un peu vu-revu et j'étais complètement portée par l'histoire. Je vous fais pas trop de suspense, c'est-à-dire de Tout le bleu du ciel qui est juste... voilà, j'ai juste adoré de Mélissa Dacosta, la petite photo. Tout le bleu du ciel, c'est vraiment une histoire bouleversante avec deux personnages très profonds qui ont des choses à dire, qui expriment toutes sortes d'émotions et ils ont une relation qui est très belle, qui se construit au fur et à mesure, qui n'est pas du tout parachutée comme ça d'un coup et qui n'a aucune vraisemblance ici. On a vraiment la construction d'une relation, deux personnages qui s'apprivoisent. Et voilà, c'était une très 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 belle histoire, très émouvante. Je pense que toutes les personnes qui ont lu ce livre ont fini en larmes, emmitouflées dans leur plaid. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Et si c'était pas votre cas, c'est que vous avez pas de cœur. Donc voilà, Tout le bleu du ciel, je vous le conseille vraiment et ça fait partie de mes meilleures lectures 2021. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas mentionner cette saga. Il s'agit de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc au livre de poche. D'ailleurs, vous avez les tomes que j'ai pas encore lus derrière. J'ai donc lu les tomes 1 à 3. Aucun de ces livres n'a été un coup de cœur, mais à chaque fois, c'est très bon, c'est tellement fluide, c'est tellement agréable que je mets la lecture de ces 3 tomes en coup de cœur, en très bonne lecture. Et je vous recommande, puisque c'est vraiment... ici, on va suivre chacune des sœurs dans la découverte de leur passé. On va voyager, on va ressentir des choses, on va découvrir des personnages haut en couleur. Et c'est vraiment une très belle saga. Je ne vais pas trop m'apesantir dessus parce que tout le monde en parle, mais il y a une raison si tout le monde en parle. Et les deux derniers, parce que vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de science-fiction dans ton top. Effectivement. Alors, deux livres de science-fiction. Le premier, Les 15 premières vies d'Harry Auguste. Je vous mets là, de Claire North. J'ai adoré ce livre, je l'ai bouffé. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais en vacances en Grèce et quel bonheur. Ici, on est vraiment dans une personne en fait qui va revivre ses vies de façon indéfinie. On va se retrouver avec des complots, il va y avoir des belles histoires d'amour, des histoires de haine, d'amitié. On vit aussi au fur et à mesure du XXe siècle puisque il revit en fait Harry Auguste. Hein. Au fur et à mesure ce siècle et c'était juste génial quoi. On est vraiment dans tout ce qui est être dans des boucles temporelles, donc c'est un peu fantastique science-fiction et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. On n'en parle pas suffisamment et c'est dommage parce que c'est un livre où il y a quand même beaucoup d'action, où on découvre plein de choses au niveau historique, palpitant, le personnage principal est vraiment cool. Et je vous recommande vraiment ce livre qui... C'est un stand-alone, donc voilà, il n'y a pas de saga,
C'est très agréable et vous allez passer un très bon moment avec Harry. Et enfin, dernière lecture de ce top, et oui, de ce top 7 du coup, de mes meilleures lectures avant de passer à mes mentions honorables, et bien c'est Récursion de Blake Crouch. Alors j'avais adoré, de toute façon j'ai quasi tout lu de Blake Crouch, j'ai adoré Dark Matter, son thriller juste qui a été publié juste avant. J'avais adoré Wayward Pine, donc j'ai hâte de voir la série d'ailleurs. Wayward Pine qui est une trilogie que j'avais vraiment juste adoré, thriller science-fiction. Et donc ici, bah pareil, avec Récursion, on est vraiment dans un livre science-fiction slash thriller. Et ici, on va explorer tout ce qui est faux souvenirs. Je ne veux pas vous en dire plus, je vais juste vous dire que c'est faux souvenirs. On suit deux personnages principaux, un policier et une scientifique. Leur chemin va effectivement finir par se croiser. Récursion, c'est vraiment... c'est plein d'action, c'est palpitant. Il y a à peu près le même thème hein, que dans les 15 vies de Harry Auguste. Il y a des thèmes similaires que j'aime beaucoup, évidemment. Et il y a aussi une très, très belle histoire d'amour. Alors que bon, c'est pas trop mon truc de base, mais franchement, là, c'est tellement bien fait. Donc, je vous conseille vraiment Récursion si vous aimez l'action, la science-fiction, du suspense, tout ce qui est page-turner, allez-y parce que vous allez passer un super moment. Comme je vous le disais, j'ai aussi des mentions honorables. Donc ces livres que j'ai envie de vous mentionner aujourd'hui, parce que c'était de très bonnes lectures et je pense qu'elles méritent largement d'être lues. Ça n'a pas été aussi bien que mon top, mais c'est quand même des super lectures, donc je voulais quand même vous les partager. Donc dans les mentions honorables, on va mettre La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, la photo ici. C'est ma dernière lecture de l'année 2021 et j'ai vraiment énormément aimé. Voilà. Pour les fans de Downton Abbey, de cette ambiance un petit peu historique, manoir, domestique, slash bourgeoisie, voilà, n'hésitez pas, c'était très très chouette. Je vais aussi mettre L'hiver du monde, donc c'est une saga, c'est une trilogie sci-fi post-apocalyptique de A.G. Riddle. Je suis d'ailleurs dans le tome 2 et je me régale. Donc je vais mettre ici le tome 1 puisque j'ai pas fini le tome 2. L'hiver du monde. Je vous recommande cette saga. C'est à la fois un space opéra, à la fois un apocalyptique. Il y a plein d'actions. C'est un page turner. Voilà, on ne le lit pas forcément pour l'écriture. C'est d'ailleurs très très accessible. Si tout ce qui est science-fiction vous fait un peu peur, n'hésitez pas. C'est très simple à lire et franchement on ne s'ennuie pas et c'est un pur régal. Je vais aussi mettre Quantique pour les étoiles, encore de la science-fiction. Quantique pour les étoiles, c'était vraiment... c'était, ouais, quasi... Enfin, j'ai envie de dire époustouflant, pourtant je ne l'ai pas mis dans mes tops, mais c'est pas passé loin. Quantique pour les étoiles, c'est une très 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 belle histoire d'amitié. On est dans un space opéra. On va suivre l'histoire à la fois d'une jeune femme et d'un enfant. Très très belle histoire d'amitié entre ces deux personnages et voilà, je vous invite vraiment à le suivre. Il y a plein de très très belles valeurs, ça va au-delà en fait du space opéra et de l'action. On est vraiment dans dans la découverte d'une amitié entre un enfant et une jeune femme et comment elle va tout faire pour le protéger. C'était juste très très beau et avec une très belle écriture, et je vous invite vraiment à lire. Ensuite, je vais mettre Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Voilà, je vais pas trop en parler parce que j'en reparle dans une question juste après, mais Les enfants sont rois, c'était une très belle surprise, j'ai beaucoup aimé, sur les dérives en fait des chaînes familiales sur YouTube. Hein, voilà, vous voyez de quoi je parle. Personnellement, je connaissais pas si bien que ça les chaînes familiales sur YouTube. Du coup, j'ai regardé un petit peu après et c'est un petit peu beaucoup comme c'est décrit dans le livre. Donc voilà, ça m'a fait un peu froid dans le dos, soyons honnêtes. Mais c'était une lecture intéressante qui fait vraiment écho à la vie d'aujourd'hui, quoi, qui parle d'un vrai sujet et c'est de toute façon extrêmement bien écrit parce que Delphine de Vigan a une vraie plume. Donc je vous invite également à découvrir cet ouvrage. Ensuite, en mention honorable, je vais mettre Skyward, le tome 2, parce que Skyward, quoi. Brandon Sanderson, donc voilà, encore une fois, je mets beaucoup de science-fiction dans les mentions honorables, parce que c'est pas forcément des coups de cœur, mais c'est toujours de très très belles lectures. Skyward, voilà, c'était le tome 2, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Space opéra, combat dans l'espace, voilà.
On a aussi un équipage qui fait un peu gardien de la galaxie, c'est avec des bras cassés. C'est franchement très 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 chouette Skyward et je vous invite vraiment à découvrir cette saga qui est très accessible. Alors oui, c'est des pavés, mais c'est très accessible et c'est du young adult. On le sent pas trop, je trouve. Donc si vous êtes un peu allergique au young adult, n'hésitez pas à découvrir cette saga parce que il n'y a pas les clichés habituels, on va dire. Et j'attends le tome 3. Voilà, j'espère qu'il va paraître cette année. Je l'espère, en tout cas, le tome en anglais est sorti l'année dernière, donc on y croit pour le tome 3. Et enfin, deux autres mentions honorables qui sont également présentes dans une autre catégorie. Petite de Edward Carey. Petite, j'ai beaucoup aimé. On suit la future fondatrice du musée de cire de Madame Tussaud. Donc on suit la future Madame Tussaud. C'était vraiment instructif, c'était différent. Il y a une ambiance un peu gothique, comme d'autres ouvrages de Edward Carey, si vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas. Petite, voilà, c'était intrigant, c'était différent. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée au personnage principal, alors que elle est assez froide et un petit peu bizarre. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était franchement une chouette lecture et je vous le recommande. Et enfin, Anne, donc Anne de Green Gable. Voilà, je vous mets la petite photo. Anne de Green Gable, bah non seulement je l'ai lisé en lecture commune avec Anna, c'est très très chouette. J'ai lu le tome 2 là au mois de janvier. Et c'est aussi une surprise parce que Anne de Green Gable, c'est un classique de la littérature canadienne. C'est jeunesse. En général, bon, déjà le jeunesse et les classiques, c'est deux genres, on va dire, que je lis assez peu, voire quasi jamais. Et du coup, j'avais peur de ne pas aimer, je voulais juste les découvrir un petit peu parce que tout le monde en parle, donc il fallait forcément au moins que j'essaye. Et en fait, je me suis complètement laissée emporter par l'univers, c'est vraiment des lectures doudou. Et donc, je vous recommande vivement Anne de Green Gable, donc très très joli livre. Voilà pour mes meilleures lectures 2021 et mes mentions honorables. J'ai essayé de pas trop parler, mais je me rends compte que j'ai quand même bien bien discuté sur chacune de ces lectures, mais au moins ça vous donne une petite rétrospective de mes meilleures lectures de l'année 2021. Bah tout ça, ça fait au moins plus d'une par mois, donc c'est très très chouette, j'ai eu une très belle année lecture, donc je suis contente et espérons que ça continue comme ça. En tout cas pour l'instant, mon mois de janvier 2022 est excellent, donc je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le choix de mes lectures et j'en suis assez contente. Alors, mes pires lectures, donc je vais parler rapidement de deux livres. Le premier, il s'agit de deux synthèses, donc c'est un livre de science-fiction. C'était juste pas pour moi. C'est pas mauvais, c'était très bien écrit, mais c'était plus de la réflexion sur tout ce qui était robotique plutôt que tout ce que j'aime dans la science-fiction, c'est-à-dire action, space opéra, plein de rebondissements. Et deux synthèses, bah. Voilà, ça l'a pas fait avec moi, je me suis ennuyée et j'ai pas retrouvé ce que j'avais envie de retrouver dans ce type de livre. Donc malheureusement, c'est une déception. Et je vais aussi mettre Un amour retrouvé de Véronique de Bure. Voilà, le livre Feel Good, là, j'ai pas supporté le personnage principal, j'ai failli abandonner ce livre plusieurs fois. J'ai terminé, mais j'ai trouvé que le personnage principal, donc la fille qui raconte en fait l'histoire de sa mère, qui retrouve son amour de jeunesse, bah, j'ai trouvé la fille assez horrible, je l'ai trouvée très mesquine, peu là pour aider sa maman. Enfin, ouais, j'ai pas senti la solidarité familiale, et si ce livre c'est un hommage à sa maman, bah, je l'ai pas senti comme ça parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé la narratrice. Voilà. Donc, des fois, ça le fait pas. Donc celui-là, bah, ouais, ça fait partie de mes pires lectures parce que j'ai pas du tout aimé. Mes déceptions. Alors, mes déceptions. Il y en a une, deux, trois, cinq déceptions. Eh bien, Capitale du Sud. Eh oui, Capitale du Sud, bah, c'est une déception parce que j'en attendais énormément. Je vois quasi que des coups de cœur sur ce livre. Et moi, bah, voilà, je suis restée assez hermétique. J'ai eu beaucoup de mal à m'immerger dans l'univers. J'ai trouvé ça très classique. Fantaisie un peu moyenâgeuse, rien d'extraordinaire. Beaucoup de mal à m'attacher aux personnages principaux, c'est très lent. Voilà, je trouve ça se réveille un peu les 50 dernières pages, mais bon, c'est un petit peu tard. Clairement, c'est assez introductif parce que c'est un premier tome, mais en tout cas, bah, ça m'a pas donné envie de continuer cette saga, donc je continuerai pas.
malheureusement. Donc capitale du Sud, voilà, déçue. Salem de Stephen King, bah ouais, je suis restée très très hermétique également à cette lecture. Je suis pas du tout rentrée dedans, pourtant c'est vraiment 700 pages. Salem, contrairement à son nom, on parle pas de sorcière. Ici, on est vraiment avec une réécriture de Dracula quasi. Bon, c'était très bien écrit, hein, c'est Stephen King. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, beaucoup de personnages, Stephen King. Mais voilà, on sent que c'est ses premiers romans, qui c'est pas encore au top par rapport à ce qui a été fait après. Et je sais pas, je me suis pas du tout immergée dans l'histoire, donc pour moi c'était une déception. Voilà, c'était peut-être pas le bon moment, je ne sais pas. En tout cas, ça l'a pas fait avec moi. Le tome 4 de Hunger Games, eh oui. Bah, alors à la fois j'ai trouvé qu'il y avait des petits éléments intéressants sur la création des Hunger Games. Donc ça c'était bien, surtout quand on adore cette saga comme moi, si j'ai lu il y a très longtemps et que j'ai pas vraiment envie de les relire parce que bah, le young adult, voilà, c'est plus vraiment pour moi. Mais bah justement, là j'ai trouvé qu'il y avait trop de clichés du young adult. On suit le président Snow et donc tout le monde sait qu'il est particulièrement imbuvable. Bon, il était un peu moins quand il était jeune, mais il est quand même assez insupportable. C'est vraiment le garçon pourri gâté. Donc j'ai eu beaucoup de mal, hein, évidemment. Ça m'a pas très très vraiment plu. Donc pour moi, c'est une déception. C'était pas. Je vous le recommande pas. Je trouve que ça apporte pas énormément de choses par rapport à la lecture de cette saga. Donc voilà. Si vous êtes vous avez pas très envie de lire, bah restez sur les trois premiers tomes de la saga et ça sera très bien. Et enfin une BD Fukushima. Pour moi, ça a été une déception parce que j'ai trouvé ça très confus. J'ai trouvé que, bah, contrairement, enfin, quand je compare par exemple avec la série Tchernobyl, on comprend bien en fait au niveau scientifique qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé que Fukushima, alors c'était peut-être pour dépeindre la réalité des événements, mais c'était hyper brouillon, hyper confus, un bordel ambulant quoi. Et du coup, bah, on comprenait pas trop ce qui se passait, ni les pourquoi du comment. Et du coup, bah, ça m'a pas donné cet éclairage que je souhaitais avoir. Donc voilà, assez déçue de cette BD. Au niveau visuel, c'est sympathique, mais voilà, j'ai trouvé que bah, le chaos était peut-être tellement bien répercuté et bien transcrit que bah, du coup, j'ai terminé cette lecture en étant plus confuse qu'autre chose. Donc voilà, sans cet éclairage, j'ai pas. Ça m'a pas apporté grand-chose. Donc voilà, je vous la recommande pas spécialement. J'espère qu'ils font un Fukushima un peu comme la série de Tchernobyl parce que j'aimerais beaucoup en savoir plus. Et en tout cas, j'en ai pas eu suffisamment avec cette lecture. Voilà pour mes déceptions. Alors pour les bonnes surprises, je vous en ai déjà parlé, donc je vais juste les mentionner. Donc pour moi, les bonnes surprises, c'est ces romans où je n'attendais pas forcément grand-chose et finalement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je vais mettre Les Enfants sont rois. Et Anne de Green Gables, voilà, parce que c'était pas des lectures que je pensais aimer, et au final, c'était de très très belles lectures. Et d'ailleurs, Anne de Green Gables, je suis toujours ravie de continuer cette saga, donc je peux que vous les recommander. Alors, j'en suis déjà à la question 7, la première et le dernier livre lu en 2021. Eh bien, j'ai commencé l'année en 2021 avec Le Jour où, qui était une lecture très sympa, mais ici. Un thriller contemporain, très chouette, avec des bonnes thématiques. Franchement, j'avais bien aimé. Il n'est pas dans mes mentions honorables, mais c'était une bonne lecture et je peux que vous le recommander. Et j'ai terminé avec La Villa aux étoffes, où là, ça a vraiment été super lecture et je trouve parfait pour la période de Noël, la période des fêtes ou l'hiver. Voilà, donc je vous recommande cette saga. N'hésitez pas à la commencer pendant qu'il fait encore un petit peu froid. Parce que je pense que ça peut vous plaire si vous aimez les sagas historiques avec un petit peu des potins, un peu à la Bridgerton, Downton Abbey, ce genre d'ambiance. Mon dernier achat de 2021, eh bien, c'est La carte du temps. Je vous mets ça ici. C'est un roman que j'ai trouvé complètement au hasard dans ma boutique d'occasion. Je ne connais pas grand-chose sur la carte du temps, mais tout ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment, on va être dans du voyage dans le temps avec une organisation. Donc ça m'a évidemment fait penser aux chroniques
aux chroniques de Sainte-Marie, que vous savez comme j'aime cette saga. D'ailleurs, j'ai lu 3 tomes en 2021. Bon, j'aurais pu mettre dans mes mentions honorables, mais je vous en ai suffisamment parlé les années précédentes, je pense. Et donc, la carte du temps, bah, je me suis dit que c'était aussi bien que les chroniques de Sainte-Marie. Bah, ça me faisait envie et surtout, bah, personne n'en a parlé. Donc, ça fait une petite lecture à découvrir bientôt, je l'espère. Ma première lecture de 2022, eh bien, c'est Numérique de Sergueï et Marina Diatchenko. Donc, c'est le tome 2 des Métamorphoses. Donc, le tome 1, c'était Vita Nostra. Je vous ai parlé en coup de cœur. Numérique, ça a été une bonne lecture, moins bien clairement en dessous de Vita Nostra, mais ça a été quand même une bonne lecture et peut-être un peu moins what the fuck, entre guillemets, parce qu'on arrive un peu plus à suivre, plus actuel aussi, mais j'ai moins accroché que le premier parce que peut-être qu'il n'y avait pas cette ambiance si particulière, voilà, du premier. En tout cas, j'ai hâte de lire le troisième tome et apparemment il y aura également un quatrième tome, le troisième tome qui s'appellera Migrant. Donc, si on parle des migrants, je pense que ça peut être très intéressant. Ensuite, les sorties 2022 que j'attends le plus, c'est la question 10. Eh bien, il s'agit de 4 ouvrages. Le premier, La librairie de minuit de Matt Haig, que j'ai déjà en ma possession et qui va clairement être lu au mois de février, parce que j'aime beaucoup ce que fait Matt Haig et j'attends ce livre depuis longtemps. Le deuxième, il s'agit du tome 2 de L'hiver du monde qui est sorti début janvier, pardon, et que je suis en pleine lecture, que je suis en train de lire en fait. Donc, comme vous pouvez voir, je suis assez à jour dans ces livres que j'attends. Donc, La guerre solaire de A.G. Riddle, voilà, post-apo, science-fiction, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment très 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 chouette. Ensuite, j'attends le tome 3 de Skyward, voilà, donc. Brandon Sanderson, s'il te plaît, fais quelque chose pour que les éditions françaises sortent. Voilà, comme c'est sorti l'année dernière, je pense que cette année, on va avoir la sortie du tome 3. Et enfin, le nouveau Becky Chambers. Donc, il y a 2 livres de Becky Chambers qui devraient sortir, j'espère, cette année. Tout d'abord, le tome 4 de la série Les Voyageurs. Donc, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai adoré, adoré cette saga. Donc, L'espace d'un an, Libération. Le tome 3, c'est Les archives de l'Exode. Et donc, le tome 4 est sorti en anglais l'année dernière. Donc, j'ai vraiment très, très hâte de lire ce tome 4. C'est des romans compagnons. Pas obligé de les lire dans l'ordre. Même si, pour moi, c'est mieux de lire le tome 2 après le tome 1. Après le tome 3, vous lisez quand vous voulez. Donc, j'ai hâte de ça. Et en plus, elle a sorti le tome 1 d'une nouvelle saga. Le The Monk and the Robot, je crois. Donc le moine et le robot. Ça a l'air vraiment très très chouette. J'ai entendu de très beaux échos, donc voilà, je vous mets de la couverture en anglais. Je ne sais pas si ça va sortir cette année, je le souhaite juste. Voilà, appel aux éditions La Talente, si vous pouviez sortir ce livre en 2022, ça serait très 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 chouette. Alors, la question 11, les moments qui ont marqué ta vie de lectrice en 2021. Bah, la première, c'est vraiment la science-fiction. Je pense que ça avait commencé en 2020, mais je suis vraiment, vraiment en train de tomber amoureuse de ce genre et d'assumer en fait que j'adore la science-fiction et d'explorer en fait ce que j'aime, donc les boucles temporelles, le retour dans le temps, les space opéras, les planètes opéras, voilà, ces thrillers slash science-fiction aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour moi, il y a la science-fiction. Ensuite, il y a les lectures communes. Donc j'ai 2 copinotes d'Instagram de lecture commune, donc Anna, hein, je vous mets son compte en dessous, et également Astrid. Donc voilà, merci les filles en tout cas pour toutes ces belles lectures qu'on a pu faire en 2021 et j'espère qu'on va continuer comme ça en 2022. Si vous voulez en faire avec moi, n'hésitez pas. Et voilà. Et on a commencé aussi à en lire avec Lu par Lulu. Je vous mets son compte juste en dessous. Donc très très chouette et on va continuer ça en février. Et enfin mon moment, je pense le plus marquant, il date de décembre, mais je me suis officiellement lancée sur Instagram. J'avais un compte que j'utilisais quasi jamais en fait depuis des années. Et je me suis enfin mise dessus. J'ai essayé d'apprendre comment ça fonctionne. Je me suis formée sur les outils et maintenant je m'éclate. Voilà. J'ai fait mon premier reel, je suis très contente. Petit à petit, hein, ça va visuellement commencer à ressembler à quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que
C'est là où je suis le plus à jour et où je partage quasi quotidiennement. Donc, si vous voulez être à jour sur mes lectures, n'hésitez pas à me suivre. Donc, c'est Audrey Chai Latte. Vous mettez ça ici. Et les bonnes résolutions de 2022. Ça sera donc la dernière question. D'habitude, c'est voilà, c'est trois vidéos séparées, hein, le bilan, les nouvelles résolutions et puis les meilleures lectures. Et là, je vous ai tout fait en un. Mais ça me va très bien parce que j'avais envie de changer un petit peu de format. Et qu'est-ce que j'espère pour 2022? Bah, écoutez, j'ai une page dans mon bullet, juste ici, sur mes objectifs de lecture 2022. Donc, je ne vais pas être trop longue sur chacune d'elles, mais j'en ai donc 8. Alors, la première, c'est lire 50 romans. Donc, au début de l'année, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais lu 102 livres. Il y a beaucoup de graphiques dans les 102 livres. Et c'est pour ça que là, je veux me donner l'objectif de lire 50 romans. En 2021, j'en ai eu 46, donc 50, ça me paraît faisable. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en se mettant un petit peu cette barre mentale des 100 livres, bah du coup, je lisais beaucoup de graphiques pour arriver au chiffre. Pas forcément parce que j'en avais envie. Et parfois, je me poussais un petit peu et je trouve ça dommage en fait, parce que c'est pas le but de la lecture. Donc là, mon objectif, c'est 50 romans. Donc j'ai baissé la barre. Je ne compterai pas mes graphiques dedans. Vous aurez toujours le bilan total, mais j'aimerais bien voilà, pouvoir lire 50 récits, 50 romans, parce que donc non-fiction, parce que c'est globalement ce que je lis et ce qui m'importe. Le numéro 2, qui est très très compliqué, c'est abandonner ou faire des pauses sans culpabiliser. Voilà. Sachant que j'ai commencé l'année avec... Les 10 000 portes de January, c'est pas mon premier livre, mais c'est un des premiers livres que j'ai lu. J'ai failli l'abandonner 3 fois, je me suis un peu poussée. Et au final, je suis contente de l'avoir fait, parce que je suis contente d'avoir lu ce livre, même si c'est une déception. Donc je suis contente de ne pas l'avoir abandonné. Mais bon, clairement, il y a du travail à faire sur abandonner sans culpabilité. Pour l'instant, j'arrive pas. Ensuite, encore plus de science-fiction. Voilà, hein, je me suis pas donné de chiffres, mais... Ça me paraît clair et je pense que vous êtes aligné avec ça. Ensuite, poursuivre mes sagas et être à jour. Et ça, pour le moment, je suis très à jour, donc je suis assez contente. Dès que je veux une suite de sagas, je l'achète pour pas que je l'oublie. Et puis, j'essaye vraiment d'être à jour, en fait. C'est difficile de finir les sagas parce que bah, j'ai très peu de sagas, finalement, qui doivent être finies. J'en ai que 2. J'ai Broadway Limited et j'ai l'Outsider, donc la saga Monsieur Mercedes de Stephen King. Mais pour le reste, tout est en cours. Mais je suis pas mal à jour sur beaucoup de sagas. Donc, on va continuer. Terminer au max mes sagas, bah, au moins ces 2-là. Ou si jamais il y a d'autres tomes qui sortent, bah, essayer d'être encore plus à jour. Réduire la pale à 70. Ouais, bah là, je suis à 84, 5, 87. Donc voilà, j'ai pas mis 50 parce que 50 j'y arriverai pas, mais si je peux réduire à 70, je serais très contente. Privilégier les achats d'occasion. Donc ça, pour moi, c'est important parce que bah, déjà avant, je dépensais quand même beaucoup de sous. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est que j'ai une petite wishlist par mois. Par exemple, la bibliothèque de minuit et le tome 2 des Reines glaciaires, c'était mes must-have de janvier. C'était des sorties que je voulais absolument lire et rapidement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai priorisées et je les ai achetées neuves. Pour le reste, j'ai acheté d'occasion. Donc je vais essayer de faire ça quand c'est des nouveautés vraiment que j'attends. Et surtout, je vais aussi essayer d'attendre des chroniques. Parce que des fois, il y a de la hype, des book hauls, je l'achète. Et puis en fait, tout le monde dit que c'est pas terrible après. Mais bon, bah, je l'ai en format neuf, donc je suis un peu déçue. Donc je vais continuer à faire comme ça. Et je pense que du coup, ça va privilégier l'occasion. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a 2 ans, j'avais 20-30% de mes livres, de mes achats d'occasion. Attendez, je l'ai là. Ouais, j'avais 20% en 2020 et 36% en 2021. Donc, si je pouvais là arriver à 45-50% d'occasion sur mes achats de l'année, ça serait super. Réduire les achats, bah, ce que je viens de vous dire, hein. Réduire surtout les achats neufs. Voilà, parce que c'est pas le même budget. Et surtout, bah, pas acheter plus que ce que je lis. Hein. Ça paraît logique, mais
Ça sert à rien d'avoir une poêle de 300 livres quand j'en lis, que je lis que 50 romans par an. Voilà, c'est pas encore la guerre, du moins, je nous le souhaite. J'ai pas besoin d'avoir un stock aussi grand de romans, donc on va y aller mollo. Continuez les lectures communes, donc les filles, je suis sûre que vous allez être d'accord sur ce numéro 7. En tout cas, voilà, je suis très contente de tout ce qu'on a pu faire ensemble ces derniers temps et qu'on continue comme ça parce que c'est vraiment des chouettes moments de partage et c'est aussi pour ça qu'on est sur BookTube et Bookstagram. Et enfin, être régulière sur Instagram et YouTube. Alors, sur YouTube, essayez une vidéo par semaine ou une toutes les 2 semaines. Donc, je vais essayer de faire 3 vidéos par mois. C'est mon objectif. On va voir si j'y arrive ou pas. Et en tout cas, régulière sur Instagram, pour l'instant, je suis et je suis assez contente de ce que je fais. Donc, on va continuer comme ça. Voilà, c'est tout pour ce tag qui, je pense que votre chai latte a eu le temps de refroidir. Donc, j'espère que vous avez eu un bon moment de pause avec moi, que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir peut-être certains livres. N'hésitez pas à me faire vos retours. Quel est votre bilan de l'année? Quelles sont les lectures qui vous font envie en 2022, de répondre à ce tag, pourquoi pas en commentaire. En tout cas, je vous attends pour partager ensemble et puis je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si jamais ce n'est pas le cas. Et surtout à aller vous abonner sur Instagram parce que si vous êtes sur Instagram, bah, ça serait chouette qu'on puisse se suivre et puis comme ça vous allez pouvoir suivre au jour le jour ce qui se passe. De façon un peu plus régulière que mes 3 vidéos par mois. Sur ce, je vous fais de gros 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 bisous et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!